Merci beaucoup, maman, de nous accueillir aujourd'hui. Ici, chez nous, j'appelle ça chez nous. Ils sont chez nous à la maison. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Nous venons dans le cadre de Madja Boutalent. J'aimerais aller tout droit du côté de Princesse. C'est-à-dire que nous ne venons pas ici t'annoncer que tu as remporté la compétition. Mais quels que soient les résultats, Princesse, pour moi, ça n'aura rien changé. Princesse, que Dieu te bénisse. Merci. Nous passons rapidement, mais pour la vidéo, on est obligé de... Princesse, tu vas avec nous à Kinshasa. Voilà. Salut, salut, c'est Francis Conan, encore une fois dans une vidéo réaction du concours, sur le concours de chant gospel Madjabou qui se déroule actuellement en RDC. Et voilà, donc ils sont dans une phase d'une des régions du pays. Et voilà, donc cette vidéo réaction, je la fais en fonction de la performance de la sœur Princesse Betou, qui pour moi est l'une des meilleures de cette manche. Et voilà, et donc comme vous le voyez déjà derrière, Madjabou, ce n'est pas seulement des chanteurs ou des chanteuses qui viennent, non pas des frères ou des sœurs, mais derrière eux, il y a un soutien social, il y a un soutien familial, et ce sont des églises qui sont engagées, ce sont des ministères, il y a des pasteurs, il y a des chefs de chœur, des chefs de louange. Il y a un monde qui est derrière tous ces candidats-là, donc, et j'aime surtout ce genre de rétro, et ça montre que les candidats ne sont pas seuls. Et ça, c'est la famille de la sœur Princesse lorsqu'on est venu lui annoncer qu'elle part à Kinshasa. Continuons. Que l'Éternel vous comble de toute bénédiction terrestre. Amen, 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 papa. Je reçois. Merci. Traduction, s'il vous plaît. Traduction. Et les parents et nous-mêmes, viens. Voilà. Voilà, à genoux. Que Dieu se serve de cette fille comme un instrument de sa main. Au nom de Jésus. De son église. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. 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 Bénie, princesse de Dieu. Allez, congratulations. Ok. Ça va? Voilà. Donc, d'abord, je vais dire quelque chose sur le niveau général de ce concours. Pour moi, pour cette manche d'ailleurs, le niveau est moyen. Il y a eu plus pire que ça, mais bon, de tout le lot de ce que je peux retenir, il y a eu beaucoup d'oranges. Comme je le dis toujours, il y a eu une pluie d'oranges et une marée de rouge et quelques lieu d'espoir de couleur verte, dont parmi lesquels la sœur Princesse Betou. Et voilà, donc le niveau a été un peu moyen. Mais revenons à Princesse. Ce qui m'attire ou ce que j'ai ressenti lorsque j'ai écouté sa prestation, d'abord, vous la voyez sur l'écran, elle inspire, elle incarne certaines grâces. C'est vrai, on a eu beaucoup de candidats avec le nom de grâce. Mais celle-ci, Princesse, quand vous la voyez, elle a une certaine grâce qui se dégage d'elle, une certaine onction qui se dégage d'elle. Côté vestimentaire, elle est vraiment bien habillée. Parce que elle, c'est comme si elle partait à un bal d'opéra. Vous voyez? Comme si elle partait à un grand concert. Elle s'habillait en conséquence. Vous voyez, elle n'est pas venue avec, mais elle s'habille en conséquence. Et tu sens qu'elle est venue pour gagner. Tu sens qu'elle a déjà un mental de gagneuse. Voilà. Donc, elle est vraiment très coquette, bien maquillée. Je ne suis pas une femme, mais bien maquillée. Et elle dégage une certaine aisance. Voilà, donc, on continue. Tu as quel âge? C'est vrai? Elle a 18 ans. Tu m'as l'air très mature. Wow, 18 ans. Allez, on y va.
leki nyonso o leki pasi nyonso o leki humiliation o leki souffrance nyonso. Ok, j'entends humiliation, j'entends souffrance. Peut-être qu'elle en train de dire qu'elle est passée par des souffrances ou par des humiliations. Et il y a des chants comme ça, si vous connaissez la traduction et si vous connaissez le sens, ça vous marque. Déjà de la façon dont elle exprime ses douleurs du passé. Elle exprime ce qu'elle a vécu. J'ai entendu humiliation. Certains de nous qui suivent cette vidéo ont aussi connu des humiliations, ont aussi connu des souffrances, mais ils ont tenu bon et le Seigneur s'est manifesté. De la même chose pour ma vie aussi. On l'écoute. Ole ki ba pasi nangai. Ole ki meto l'hôpital. J'attends hôpital. Oh, souffrance, maladie. Ole ki ba de fia bo moi nanga. Oh, Jehova. Une voix très 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 forte. Une voix comme on dit en anglais deep. Et si elle appelle le nom ou les noms de l'Éternel. Oh. Ceux qui connaissent ton nom t'appellent au secours. Le nom de l'Éternel est une tour forte dans lequel ou dans laquelle le juste s'y trouve refuge. Oh. Voilà. Pour moi, déjà, sa voix est vraiment, comme on dit en anglais, deep. C'est un style de, comme Lord Bongo, une voix deep, un peu masculine, mais qui a une certaine féminité qui attire. Et à la voix chantée dans les gestes, elle exprime le chant, elle exprime les paroles. Chanter, ce n'est pas seulement venir dire le chant, mais c'est aussi communiquer les sensations, communiquer le chant à celui qui l'écoute. Regardez Rosny. Rosny a chanté « Mon meilleur ami ». Je pense que ce chant a un peu plus de similitude parce que ce chant parle aussi des souffrances. Mais pourquoi Mike a dit d'arrêter? Parce que Mike, comme je le dis toujours, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et il a décelé que la chanson allait être linéaire. Et il veut. Et il sait que c'est une soeur qui chante bien. Mais il veut encore tirer plus d'elle. Il veut encore tirer plus de jus d'elle. Pour pouvoir exposer ce qu'elle a de caché en elle. Donc c'est pourquoi il a arrêté la prestation. Pour lui donner encore l'occasion de changer de registre de chant. On va écouter. Voilà, tu peux nous faire un autre chant. C'est bon. Voilà, donc ce chant-là lui donne l'occasion de faire des montées et des hauts, des descentes et puis des variations, des harmonies. Voilà, et c'est un chant qui est vraiment dynamique. Et c'est ce que Mike attendait. Et pour le conseil, on n'est pas forcément de monter. Non, c'est comment maîtriser les fins de mélodie qui est très important. Comment maîtriser les fins, comment maîtriser les harmonies, comment maîtriser les contours de chant. Et ici, ce chant-là,
il y a tellement de d'envolées que qui permet à tout un chacun de vraiment déceler les qualités vocales de princesse. Et c'est ce que Mike attendait. Le pianiste est un peu silencieux parce qu'il est en train de voir dans quelle gamme il va l'accompagner. Ok, maintenant. Traduction, s'il vous plaît. Traduction, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle chante Dieu Tout-Puissant? Je ne sais pas. Ça sonne. Oh, c'est ce qu'on appelle chanter. C'est ce qu'on appelle chanter d'un concours. Regardez Rosny. Vous voyez comment? Elle peut aller en bas, elle peut monter, elle peut varier. Elle contrôle, maîtrise, façonne le chant. Oh! Merci. Ok. Merci. Betou. Il y a des choses à te dire, mais. Sûrement, tu pourras découvrir de l'autre côté. Si c'est aujourd'hui, tu devras nous quitter. Ça ne t'attend pas de rejoindre les autres à Malaika House, à Kinshasa. C'est ton rêve. C'est son rêve d'aller à Kinshasa. Princesse? Waouh! Tu as une très belle voix. Elle a une très belle voix. De dire que tu étais mature, ton visage est mature et ta voix aussi. Oui, sa voix est vraiment mature. Il faut dire à la princesse qu'elle a rejoint certains autres. Oui. Certains autres candidats. Certains autres candidats qui sont passés par ici. Oui. Au fait. Il y a des candidats qui me font mal à la tête, comme toi là, tu n'es pas la seule. Et donc, pour bien se décider, on doit d'abord finir, pour après prendre la décision. Ok, donc voilà, donc ça c'est leur réaction. Voilà, donc revenons à sa prestation. C'est une prestation qui est vraiment, vraiment bien. Elle a montré qu'elle peut chanter dans n'importe quelle variation, dans n'importe quelle circonstances de chant. Quand Mike lui a demandé de chanter quelque chose, elle lui a servi un bon gâteau. Et voilà, donc et elle a montré qu'elle peut chanter avec plusieurs variations, et ça c'est bien. Et ce que je retiens de sa prestation, c'est que elle est une chanteuse, comme on dit chez nous, une chanteuse à voix. Ce sont des chanteuses qui ont une voix vraiment qui porte. Et voilà, et je sais qu'elle est partie à Malaika House, et je vais marquer son nom dans mon carnet, et je vais attendre de voir Malaika House, de voir comment elle se présente, comment elle va chanter avec un groupe ou avec un orchestre derrière elle, parce que ça fait beaucoup de différence dans ce genre de situation où c'est seulement le piano. Ça va, mais comment elle va chanter? Et on a vu beaucoup de bons candidats, mais lorsqu'ils se sont mis derrière une bande ou un orchestre, ça a frôlé. Mais je pense que elle, j'attends de la voir dans une prestation avec un orchestre ou une bande derrière elle, et dans un autre rythme, dans un rythme plus peut-être moins lent, mais un peu cadencé, comme un zouk chrétien. Et voilà. Donc c'était Francis Conan, encore une fois, c'est pour moi, princesse, c'est l'une des meilleures. Et voilà, n'hésitez pas à aller sur ma page et commenter mes vidéos et abonnez-vous. Et en Côte d'Ivoire, on dit likez, souscrivez ou subscribe. Et voilà, donc on va continuer cette aventure ensemble. Encore une fois, c'était Francis Conan et pour moi, elle a bien chanté, mais ce qui m'a marqué, c'est comment on lui a annoncé la nouvelle. Allons-y encore. Mon
Merci beaucoup, maman, de nous accueillir aujourd'hui. Ici chez nous, on appelle ça chez nous. Nous sommes chez nous à la maison. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Nous venons dans le cadre de Madja Boutalent. J'aimerais aller tout droit du côté de Princesse. Et là, même Princesse aussi, même étant à la maison, regardez comment elle est gracieuse. C'est-à-dire que nous ne venons pas ici d'annoncer que tu as remporté la compétition. Mais quels que soient les résultats, Princesse, pour moi, ça n'aura rien changé. Princesse, que Dieu te bénisse. Merci. Le pasteur va peut-être revenir, mais pour la vidéo, on est obligé de... Princesse, tu vas avec nous à Kinshasa! Voilà. Bravo, 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 bravo. Et c'était Francis Conan dans une vidéo réaction. Allez, on se voit plus tard.